Les gestes de la réflexologie plantaire. La réflexologie plantaire envisage les pieds comme une carte du corps où l'on peut agir sur des zones réflexes correspondant aux organes à stimuler. C'est un massage pratiqué sur table sans utiliser d'huile. Des indices d'une médecine traditionnelle à base de pression glissée sur les pieds ont été retrouvés en Chine et en Inde il y a plus de 5000 ans. Mais selon certains spécialistes, ces techniques auraient réellement trouvé leur origine au Pérou, chez les Incas, environ 12 000 ans avant Jésus-Christ. Dans ces philosophies, les pieds sont la représentation miniaturisée de l'être humain, et l'être humain lui-même est une réplique de l'univers. Gratiella pratique la réflexologie au massage café. Elle a été formée au Royaume-Uni. Ici, elle cible les unes après les autres les parties du corps qu'elle cherche à soulager. Système nerveux, système digestif, zone génitale, lombaire, système respiratoire. À chacun sa zone miroir sur la plante, le contour extérieur ou le dessus du pied. Ce massage procure un réel bien-être et certains y voient même le secret d'une santé préservée.